très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Essai Libre, et particulièrement aujourd'hui parce que je suis au volant d'une Mégane 4 RS. Elle a généré beaucoup d'attentes de votre part, et aujourd'hui j'ai cette chance de pouvoir en prendre le volant et de vous faire un petit essai détaillé, mais en même temps de faire un petit comparatif. Et c'est l'occasion de revoir Christophe, qui est le propriétaire d'une Mégane 3 RS Trophy R. On est à 275 chevaux sur la Mégane 3 RS, quand on est à 280 chevaux sur celle-ci. Mégane 4 RS versus Mégane 3 RS Trophy R, c'est maintenant. Mais c'est pas grave, ça pétarade quand même. Poc, 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 poc. Trois petits coups comme le pied vert. Poc, 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 poc. Amortisseur à butée hydraulique. Très confort, hein. Même en mode sport, franchement, c'est pas tape-cul. Hein. Allez, on teste le comportement en virage. Allez, incroyable en virage. Le fort contrôle fait son boulot. Quelle précision, quel ajustement sur la route. Cette auto, un scalpel en virage, et encore ça n'est pas la version la plus extrême puisque c'est les versions de lancement, avec un châssis sport pour celle-ci et une boîte d'essai, boîte automatique à 6 rapports. Mais on a également une Mégane 4 RS châssis sport avec une boîte de vitesse manuelle. 0 à 100, 5 secondes 8, launch control, on va essayer. Pied gauche sur le frein, on tire les palettes, on relâche les palettes, on appuie à fond et on lâche. Oh, ça dérape là, ça patine. Les pneus sont un peu fatigués aussi. 100, ils sont déjà largement atteints. Ça va très vite. Amis, je retrouve Christophe. J'espère que vous avez pris votre jus d'orange ce matin. En tout cas, si vous ne l'avez pas pris, bah vous allez prendre un shoot d'agrumes quand je vous montre les images avec la Trophy R jaune Sirius et la Mégane 4 RS orange tonique. Salut Christophe. Salut Ludo, comment vas-tu? Oh bah moi super. Impec, écoute, hein. Comment ne pas aller? Comment ne pas aller? Je ne sais pas, aujourd'hui je suis bouillonnant, surexcité de voir ces deux beautés réunies. C'est de l'exotisme. C'est de l'exotisme à 100%. Ah oui, et alors, on s'était dit, on va se revoir pour les gens de Turini rouge, parce qu'on avait fait une parole de proprio, oui. Il y a maintenant quelques temps. Ah oui, ça fait à peu près 10 mois. Bon, ça fait 10 mois. Eh bien voilà, la promesse est tenue, on se revoit et on va regarder tes jambes Turini rouge. Super. Avant de découvrir le reste, parce que elles sont là, tu les as installées comme à l'origine, elles sont belles. Voilà. Elles sont RS. RS. Non. Bol alu. Le bol alu, je c'est reconnais. Ça, du kit record. Ouais. Et le plus depuis, c'est la batterie lithium d'origine. Ah, t'as aussi fait cette modif. Ah, voilà, j'ai cassé la tirelire. T'as cassé... t'as cassé la tirelire de la batterie lithium. Parce qu'on gagne en termes de poids avec cette batterie. Oui, elle pèse 3 kg au lieu de 19 de la batterie d'origine. 19 kg, ça pèse une batterie d'origine. Ah, ouais, c'est... On se rend pas compte du poids, mais. C'est massif.
Donc c'est la batterie d'origine Super B du kit record Renault. Renault Sport. Celle avec, c'est avec cette batterie-là qu'ils ont fait le record au Nürburgring, absolument. C'est ça? Absolument. Si tu la voulais d'origine Nürburgring. Voilà, hein, impeccable. Et la petite nouveauté, ouais, tu m'avais parlé d'une petite fuite. Il y avait une petite fuite, il y avait un petit truc, ça a été soigné. Un réglage de rien du tout. Ah ouais? Voilà, impeccable. Sur les vis de culbuteur. Il est beau ce moteur, il est beau, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ça, de la fonte, pas du plastoc. Ah, bon, et il y a du vérin. Il y a un vérin, le fameux vérin. Écoute, parfait. Et cette batterie lithium, juste Christophe, oui, si, tu peux nous dire le prix ou pas? C'est top secret, non? Non, c'est pas top secret. C'est dans les 1100 euros. Ah oui, quand même, 1100 euros. Plus un petit chargeur qui va avec, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. C'est une lithium fer phosphate. Tu ne recharges pas avec un chargeur booster, machin. T'exploses la batterie. Donc là, il faut absolument le chargeur correspondant. Adéquat. Ouais, absolument. Bon. C'est une batterie d'origine américaine, mais qui fait partie des accessoires Renault Sport. D'accord. Et on met ce genre de batterie dans les voitures sportives, du coup, pour alléger le poids? C'est fait exclusivement pour ça. C'est pour les voitures de sport. Absolument, c'est un budget. Ouais. C'est un budget. Bah, ouais. Effectivement, 1100 euros. Le lithium, c'est cher à produire. Et ce qu'on voit là, c'est effectivement, on comprend pourquoi il y a une différence de poids, parce qu'il y a une différence de taille de batterie. C'est fou, quoi. Bah, c'est impressionnant. Eh bien écoute, très bien, bravo pour cette mise aux normes. Voilà. À la perfection, parce que c'est ça le passionné puriste, il fait à la perfection dans le souci du détail. L'autocollant Underweight. Oh, l'autocollant Underweight. Underweight, donc il remémore l'époque du record. Sans avoir rien. Très très bien fait, très bien posé. Ah super, ouais, c'est... Mais c'est incroyable d'ailleurs. Et ça tient dans le temps, ça va pas se décoller, non, machin. Non, c'est ça, fait pour. Ça fait pour, ouais. C'est super, c'est ça. Étudié, ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle est belle ta voiture? Chouette, bah, je te remercie. Ah bah qu'est-ce qu'elle est belle, moi j'adore. Tu m'avais même laissé le volant, je crois. Oui, on avait fait. Ouais, on avait fait une parole de proprio complet, Trophy R, c'est marqué dessus. Et voilà. Et alors aujourd'hui, moi je viens en prenant le volant de cette Mégane 4 RS orange tonique. Bah, alors ce que je t'ai vu arriver, effectivement, le petit pet-pet là. Ah, t'as entendu le poc-poc-poc? À l'échappement, hein. Ah, bon, c'est pas un Akrapovic, hein, mais... Non, mais c'est top, et puis je trouve que l'orange lui va à merveille. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment exotique. Alors, tous les deux, hein, je pense qu'on est époustouflés par cette couleur. Alors là, bravo Renault d'avoir mis ça au catalogue. On prend un shoot de vitamine, même s'il fait gris dehors, c'est pas grave, c'est comme ton jaune Sirius. C'est du même acabit. Ça va dans le même ton. On a l'orange tonique. Et le citron derrière tonique. On fait un petit cocktail avec ça. Ah, mais ça. Le cocktail d'agrumes, c'est pour ça que je vous parlais de jus d'orange. Plus que le rhum. Le matin, un petit fond de rhum. Alors, jamais en conduisant. Excellent. Et regarde, alors, ce qu'on va essayer de faire, Christophe, aujourd'hui, c'est faire un comparatif gentil. Hein, oui, on va pas. Alors, déjà, on n'a pas de circuit pour tester nos voitures. Je propose qu'on fasse le tour et qu'on parle design et différence entre les deux voitures. On va commencer par la face avant, si tu veux bien. Bien volontiers. Alors, ce que je note. Parce que moi j'adore parler de ça, du design. Tu vois cette lame là, ici là déjà, la tienne, elle part vers le bas. Ah oui. Alors que là on a la même, c'est la même forme, oui, mais, c'est dans le même genre, mais tu vois, elle part vers le haut celle-ci. Ah oui, c'est un autre style. C'est un autre style, ouais. Effectivement. Ouais. Mais ça déjà, cet appendice aérodynamique, je trouve ça superbe. Tu vois l'évolution dans les feux de jour, parce que toi c'est les feux de jour à LED là ici. Hein. Oui. Ici, c'était une barre, et là, ils ont fait ça, ce feu avec ce crochet, le feu de jour, là, qui est en crochet. Une virgule, là. Une virgule. Ça, c'est assez génial, ça. C'est incroyable, ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça imite un peu le drapeau à damier. Oui, la Clio 4 RS aussi, j'ai vu ça. Ah oui? Sur les dernières, sur les trophies, il me semble. En latéral, qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, ma Mégane 4 RS, elle a une option au niveau des pneumatiques et des jantes. Oui. Je suis chaussé naturellement, la voiture doit être chaussée en 18 pouces, je crois. Mais celle-ci, elle est bardée d'une option 19 pouces, qui s'appelle Interlagos. D'accord. Bon, diamanté noir. Terrible. Terrible. Terrible jante. Avec le logo, RS qui figure là. Oui. Du freinage Brembo. Oui. Bon, hein, nos amis de chez Brembo qui travaillent toujours si bien. On a un disque de frein, il n'y a pas de bol alu. Alors, il n'y a pas de bol alu sur celle-ci, qui est une châssis sport, boîte EDC 6 rapports, boîte automatique. Donc, avec le châssis sport, tu n'as pas les bols alu, comme toi. D'accord. Tu ne peux l'obtenir que sur la partie châssis cup. Très
très bien. Avec le châssis Cup, tu as le bol alu. Mais ça va venir, ça. Ouais. Ça viendra, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, celle-là, on n'en est pas équipé. Et on a du freinage classique. Toi, en termes de disque, si on compare, tu as du rainuré, non? Moi... Je pensais qu'ils étaient rainurés, moi, mais non. Là, ils sont ventilés, classiques. C'est ventilé classique, ouais. Cette auto à 2500 km. Donc 2500 km, mais elle a fait un peu de circuit. On voit l'état des pneus. Oui. Ils ont déjà un petit peu mangé. Ça a mangé un peu. Ça a mangé un peu en circuit. Voilà, on est sur le témoin d'usure là. Donc voilà. Toi, c'est sur la base d'une Mégane 3 classique. Mm-hmm. Sauf qu'ils ont ajouté, alors on va le montrer là rapidement, ils ont ajouté des appendices aérodynamiques. Les appendices sont ajoutés. Du genre, ça c'est une aile classique. Et puis là, on a rajouté cet élargisseur d'aile. Alors ici, non. Non, mais là. Le pare-choc est spécifique. Par contre, les ailes, elles, sont, je pense, classiques de la Mégane. Et avec des appendices. Absolument. Et sur le bas, on le voit. Et à l'arrière aussi, c'est bodybuildé. Voilà. Grâce à un rajout. Un rajout qui est ici. Et si on compare avec la Mégane 4 RS, là. Il n'y a pas de rajout parce que ça a été bodybuildé d'origine. C'est ça. Tu vois l'aile à la... Ouais, la matière, tu le notes. C'est l'aile arrière. Ça, c'est chouette, ça. Déjà élargie, complète, ça, sans rajout. Et quand tu vois la largeur de la voiture, si on se met à l'arrière, là, quand tu regardes l'assise qu'elle a, ça tue. Et puis ça donne encore... Ça donne encore du style supplémentaire. Et ça, c'est beau. Hein. Avec un petit logo Renault Sport, c'est bien bossé. Quand j'ouvre la porte, parce que la voiture est fermée, j'ai la clé dans la poche. Dès que je m'éloigne, la voiture se ferme. Oui, bon. Comme sur la mienne. Voilà. Et si je m'approche et que je mets la main sur la poignée, ça s'ouvre. Et écoute bien ce qui va se passer. Je m'approche. Normalement. Toujours, quand on ouvre la porte, ça bat du cœur. Ah, magique. Hein, t'as vu? T'as entendu? Voilà, c'est systématiquement. Ouais. Et alors, je voulais montrer l'ouverture, regardez. Voilà le châssis classique et puis le déport qu'il y a encore. Ça a de la tête. Hein. Ça a de la tête, ça. Ça a de la tête. Et le logo Renault Sport, tapis RS. Profils, là, c'est beau. Voilà. Ça aussi, c'est comme sur la mienne, ça aussi. Tu as ça, tu as la même matière. La déco matière, là, style de carbone. Ouais, ça imite un peu le carbone en plastique. C'est bon, c'est pas mal. C'est mou, c'est pas mal, ouais. Tout à fait. Elle est équipée également d'une Sono Bose. Oui. Celle-ci, c'est une option, hein, c'est une option sur cette auto. Et bien sûr, les pédaliers sont en alu. Juste pour revenir aux pneumatiques, quand même, on a dit 19 pouces, mais je ne vous ai pas donné la taille. 245-35 R19. 35, les amis. Vous voyez l'épaisseur fine. Et pour autant, elle n'est pas inconfortable. C'est là où je suis toujours bluffé du travail des ingénieurs, de rendre une voiture utilisable au quotidien, une voiture super sportive. Qui est quand même utilisable, quoi. Elle n'est pas inconfortable. Chez Renault Sport, ils sont très forts là-dessus. Oh la vache. Très très fort. 35, tu te rends compte? T'as des combien, toi? Bah, je vais regarder, tiens. On va regarder. Alors, si on se met sur la Turini, 235-35 R19. Tu es chaussé un peu plus étroit. Oui. Mais enfin, t'es quand même en 19 pouces et t'es aussi en 35. Et en plus, avec les nouveaux Michelin Pilot Sport, ah, toi, t'es, 4S. Toi, t'es bien chaussé. Ça, c'est du top. Moi, d'origine, c'est du Bridgestone, là. C'est mis sur la... C'est ouais, bien aussi. C'est bien aussi, mais, ça, mais Michelin, là... C'est le top. Ah. Alors, on arrive sur la partie arrière. Effectivement, tout à l'heure, on s'est déjà un peu enflammé, mais je vais montrer les dessous, parce que tu sais, sur Essai Libre, on va dans le souci du détail, on va partout. Oui. Jusque sur le dessous de la voiture. J'avais vu ça. Voilà. Voilà. Regardes... Donc, on va regarder... On va regarder là, et je vais vous montrer, on a, comme toi d'ailleurs, le pot central. Oui. Le pot central qui n'est pas à Krapovic chez moi, mais c'est pas grave. Mais regarde, à l'intérieur ici, vous voyez les amis, il y a deux sorties de pot en fait. Eh oui. Ça c'est un enjeu ah, lever, oui. Mais à l'intérieur, il y a deux véritables sorties de pot d'échappement. Et un extracteur d'air absolument gigantesque. Oui. Et qui a un rôle aérodynamique. Ah bah très, très certainement, effectivement. Et quand on voit la bête, on comprend. Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien en dessous. Tu vois, cette pièce va très très loin. Ce qu'on ne peut voir, c'est ça uniquement... Ça plonge sous la voiture. Et on ne peut voir que les amortisseurs. Donc, toi, tu as le pot à Krapovic, effectivement. Oui. Et également l'extracteur d'air. Toi, déjà, tu l'avais en noir laqué. Voilà. Belle pièce, pareil, hein, pour le même souci de performance. Que le tien. Qui va moins loin peut-être. Ah oui, effectivement, tu as raison. Ouais. Beaucoup moins loin. Là, il a été super travaillé, mais très loin. Ah oui. Parce qu'on ne voit pas le fond.
sûrement plus aérodynamique que celui-ci. Ouais. Je pense. Hein. Tu penserais pas qu'ils ont encore envie de battre des records là, avec tout ce qu'ils optimisent là? Je pense que c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, cette affaire. Hein. Ouais. Ils veulent aller battre du Nürburgring encore. Hein. Et les badges qui ont changé, du coup, tu vois, ça, oui, c'est le nouveau, chose, ouais. Le nouveau logo RS maintenant, ah ouais, qui est comme ça. Ils ont changé là. T'as beau regarder de tous les angles, ça en jette de partout. Regarde-moi cet aileron aussi, bah, comme toi, tu vois, il va très loin. Ouais, ouais, il est beau. Ouais. Et regardez la profondeur de cette couleur orange tonique, pailletée. Pailletée, ouais. Pailletée, comme le jaune Sirius. C'est le même ton, ouais. On a l'orange et le citron. Et ça envoie, faudrait presque faire un mariage des deux et faire une nouvelle couleur. Et puis, il y a quand même une caractéristique de différence qui est énorme entre les deux, Christophe. Oui. C'est le fait qu'ici, on n'est plus que des 5 portes. Voilà. Et là, on est encore des 3 portes. Sur la tienne, il y avait encore des 3 portes. C'est ça. C'est parce que c'est la trophière, quand même, pour rappel et pour mémo. Regardez ça, les amis, c'est allégé au max. Voilà. On est allégé au maximum. Combien le fait de poids, tu sais, tu te souviens? Ah oui, alors, le poids, on va dire papier, 1290. Elle est plus légère que notre ami Mégane 4 RS qui fait presque une tonne 4. Hein. C'est ça, il y a un petit 100 kg d'écart. Ouais, un petit 100 kg d'écart, puis avec ta batterie lithium, en plus, ça a gagné encore. Ça fait partie des avantages. Parce que ce qu'on peut dire en termes de performance, les amis, sur ces deux autos, c'est quasi similaire. Ah oui. La trophière de Christophe est aussi puissante que la Mégane 4 RS, châssis sport, boîte EDC. En perf, ça se tient. Ça se tient. Je crois. Après, il faut être un spécialiste du sport. Alors, le spécialiste, moi, les chiffres, j'ai regardé. Ouais. La mienne, elle est donnée à 250-255. Bon, oui, mais c'est comme la tienne, 255. Pareil. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça se tient sur la VMAX. Oui. Et le 0 à 100 est exactement identique, oui. 5 secondes 8. Voilà. Même si celle-là est un peu plus lourde. Oui, allez, bah après c'est les comportements, les couples, les plages d'utilisation. L'optimisation, tout ça. La seule chose que toi tu n'as pas, et je pense que ça fait une grosse différence, c'est le Ford Control. Ah oui. Parce que... Probablement, ouais. J'aurais rêvé les amis aujourd'hui, qu'on soit avec Christophe au Mont Ventoux, et qu'on fasse une montée de col, qui soit fermée, il n'y ait personne sur la route. Oui. Déjà on fait une montée de col comme ça. On va se avec des vues d'hélicoptère, j'imagine ça. S'il y a des réalisateurs qui nous regardent, on est prêt à le faire, à le tourner. Appelez-nous, on va au Mont Ventoux. On fonce tout de suite. On fonce et on fait ces séquences, les amis. On fait ces séquences, on monte le col et on voit si Christophe arrive à me suivre avec mon Ford Control. Absolument. Hein, mais je pense que tu aurais un peu de mal parce que c'est vraiment efficace. Ouais, mais c'est apparemment, oui. C'est bluffant. Tu vas le voir parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on va laisser le volant à Christophe pour qu'il nous donne ses sensations. Ça sera ça qui va être intéressant. Je vais t'emmener faire un tour et après je vais te laisser le volant et tu vas comparer. Ce qu'on n'a pas vu quand même, c'est quand même énorme. C'est l'essentiel, c'est le moteur, mon Dieu. Ah oui, le moteur. Le moteur, allez. On va pas passer à travers. Regardons, est-ce qu'il y a une batterie lithium? Je pense pas. Je pense que sur celle-là. Je pense pas, non. Alors le moteur, je ne l'ai jamais ouvert, donc nous allons voir ça ensemble pour la première fois. Du double vérin. Double vérin, ça c'est checké. Ça c'est bon. 1 litre 8 turbo, 280 chevaux. Et 100, c'est pas mal, il n'y a pas de cache non plus. Il n'y a pas de cache non plus, c'est bossé, mais ça fait plaisir. Voilà, on voit plus ça. On voit bien la différence avec celle de Christophe. Hein. Du coup, là c'est une batterie qui doit peser, comme tu disais, une vingtaine de kilos. À peu près, je pense. 15-20, ouais. On peut juste faire un comparatif, revoir un peu. Oui. Toi, c'est un 2 litres. Moi, c'est un 2 litres, c'est l'ancien. Toi, tu as un 2 litres. Moi, c'est l'ancien moteur qui a démarré sur les Clio Williams. C'est un ancêtre de la Clio Williams? Bah c'est la suite de... C'est une base? Absolument, ça part de là. Tu sais que je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, la Clio Williams. J'étais... Oui, j'ai vu. Oh, ça marche? Putain, mais j'étais bluffé. C'est vrai? Mais ouais. J'étais bluffé. Le poids, tout, c'est... Mais elle est magnifique, cette voiture. Ça, on voit. Dans mon hangar merveilleux, je l'ai dit, il y aurait une Clio Williams. Hein, c'est incroyable. Alors, moteur 2 litres... 275 chevaux. Oui, c'est ça. Donc, ils ont arrêté aussi pour des raisons de normes, ouais. De pollution. Hein. C'est la norme pollution. Mais oui, c'est ça. Grappiller, c'est ça qui guide et on fait du downsizing. Et du coup, le downsizing, eh ben, il se veut ici avec un 1 litre 8. Oui. Voilà, 280 chevaux, les amis, qui, turbo compressé, il figure également dans l'Alpine A110. C'est un peu moins de puissance dans l'Alpine. Dans l'Alpine, il a été mis à 252 chevaux. Oui. Mais l'Alpine est plus légère aussi. Mais il y a encore du potentiel, hein. Il y a du potentiel, ils ont de quoi faire. Mais moi, je suis très impatient d'en prendre le volant de l'Alpine aussi. Hein. 390 Newton-mètres. C'est fort. À 2400 tours. Mmh. Ouais, c'est fort, ça envoie du lourd. Bravo la France. Ouais. Non, mais c'est bien saluer parce que... C'est vrai. Ça sera On sait faire des voitures de sport en France. On sait faire des voitures de sport en France aussi.
elle est autrement célèbre, cette Mégane en version sport quand même. Et elle intéresse beaucoup de passionnés. Absolument. Beaucoup de passionnés. Allons maintenant prendre la route parce que c'est le meilleur moment. Absolument. Je te propose qu'on y aille, je t'emmène. On y va. Christophe, parlons sérieux. Là, je t'emmène faire un tour, je vais te montrer un petit peu. Avec plaisir. Et puis après, c'est toi qui vas prendre le volant. Ah bah c'est et tu vas, tu vas nous donner tes sensations. Ah oui. Ça va être intéressant. Alors, c'est quoi ? Tu es dans, aligné dans la surpiqûre ? Absolument. Avec ton pantalon ? C'est le jean spécial Renault Sport. Un jean Renault Sport, c'est bon ça ?